Switzerland has explained that we think that all the responsibles of Syria has to be to take the responsibility for that they did, and that they have to be brought to the court, to the Court of Human Rights, to be paid for that they did. That's our attitude. Merci, Lisa. Lisa Schlein, Voice of America. This morning in the news I heard that some hand grenades which had been manufactured in Switzerland were found among some rebels in Syria. So I'll be very blunt. Is Syria either selling or giving the weapons is Switzerland either selling or giving the weapons to the rebels? Do you have any intention of doing this sort of thing? Or if not, how do you explain that these hand grenades and perhaps there are other Swiss manufactured weapons have gotten into Syria? I didn't hear that this morning. Can you explain it again? Well, on what has happened in the on the Swiss radio, World radio, WRS. Okay, which yeah. Switzerland is no longer. So on the official radio. Yeah, for right now, but not for too long unless you do some more lobbying. But anyway, on their news, apparently they had a bulletin which said that hand grenades which had been manufactured by Switzerland were found in the hands of the rebels in Syria. So I'd like to comment on that. I can't give you a comment because I didn't hear it and I don't know something about that. But does Switzerland have any kind of commerce? It has a very big weapons industry. Does it have any commerce with Syria? No. Weapons sales? No, we don't have. I don't know that. We don't have so. Okay. But I. Will you look into this? Yes, I will. No, I don't know something about that. I would be surprised if it would be so. The theory Thank is you. That they were smuggled in the Syria through Turkey, these weapons. Mm-hmm. Bon, nous passons à la question suivante. Given the kind of pressure on the Swiss franc, how much is the central bank willing to spend in acquiring foreign reserves? The last data that we heard was 300 billion of foreign currency that were already acquired. How much more are they willing to buy? And what is, in your point of view, the limit before which you start implementing other measures to secure? So as you know, the Swiss bank is independent. The Swiss bank, the national bank, decides alone which is the right level for the Swiss franc, and they decided it will be 1.20. They can do it as long as they want, because the Swiss national bank can't fail, so they can't have a bilan in English, bilance as long as they want. The only limit is, as I think, the only limit is inflation. If we would have an inflation, so I think they should stop that, and we had to take measures, political measures. We prepared different measures to have a possibility to come into the market if it would be necessary. But at the moment, the National Bank manages it, and I think she does it very good. What are these measures? I don't tell about measures. They are for the case. No,
I think you shouldn't never take, you should never speak about measures you hope you have never to take them, but you should be prepared. So I don't want to explain in all the details what measures we have prepared, but I can tell you we are prepared even for a worst case, but we don't think that we will have this worst case. Merci, Lionel. Je ne peux pas commenter les actions du conseil de Mühleberg, mais je peux vous dire que le centre nucléaire de Mühleberg doit être sûr si long qu'on a ce centre nucléaire. Mais on ne veut pas continuer avec des centres comme ça. On veut stopper dans Mühleberg, je pense, en 36 ou plus tôt, mais c'est seulement pour pour des années, pour une Übergangszeit, un jour, un court terme, seulement pour quelques années. Mais s'il veut avoir l'énergie de Mühleberg, alors doit être sûr. Autrement, on doit le finir. Je pense que c'est pourquoi qu'on veut renforcer la sécurité de Mühleberg. C'est seulement pour quelques années. Et en ce qui concerne l'IVF à Tokyo, c'est l'IVF à Tokyo à la place de IVF à Washington. C'est seulement cette année qu'on a la session à Tokyo et pas à Washington. C'est l'IVF régulière de l'automne. Nous attendons quelques décisions en ce qui concerne la stabilité des marchés financiers dans tout le monde, mais surtout en Europe, parce que l'IVF soutient le développement dans l'Europe avec un tiers des moyens qu'on utilise pour soutenir le développement ici, pour stabiliser la situation en Europe. Alors, ce sont des centaines de milliards de francs qui vont à l'Europe. Merci. Chers collègues, nous prenons encore trois questions et après, je vous proposerai de passer vers l'apéro, là où vous pouvez bien sûr discuter avec Madame la Présidente dans une ambiance plus familière et avec tous nos invités. Alors... de celui que vous avez pu négocier avec l'Allemagne.
Alors, avec l'Italie, on a différentes discussions, différentes questions à discuter. Et c'était aussi le thème que j'ai discuté avec M. Monti. J'ai commencé les discussions avec le gouvernement qui était en place l'année passée. C'était à ce moment le ministre des Finances Tremonti. J'ai commencé avec lui et puis on a dû stopper les discussions parce que le gouvernement a changé. Et maintenant, j'ai eu une bonne discussion avec M. Monti. J'ai eu différentes discussions avec M. Grilli, le ministre des Finances et de l'Économie. Et je pense qu'on a eu des progrès dans ces relations avec l'Italie. Mais on discute en même temps différentes questions. Ça veut dire on discute l'imposition des frontalières, on discute l'accès au marché, on discute les listes noires qui sont terribles pour nos entreprises et on discute un accord comme on a fait avec l'Allemagne, UK et l'Autriche. Et maintenant, c'est le groupe de pilotage qui travaille, qui fait une épreuve des questions techniques, qui travaille sur une base technique. Et puis je contacte de nouveau, je veux voir de nouveau M. Monti en automne. M. Monti m'a promis de venir en Suisse en automne, de continuer les discussions sur un level politique. Et si vous me demandez si on est optimiste d'avoir un accord avec l'Italie comme avec l'Allemagne, je dis oui. Parce que c'est dans l'intérêt aussi de l'Italie d'avoir les biens, d'avoir de l'argent et pas seulement quelques dates des personnes. Merci. Yuri. Vous n'y êtes pas, je parle avec plusieurs médias russes, russophones, etc. Madame la Présidente, vous avez dit que vous allez à Londres à deux reprises aux Jeux Olympiques. Donc, quel sera votre message juste aux Jeux Olympiques? Et je pose cette question en pensant aux Jeux d'hiver à Sochi en 2014, parce que ce dernier temps, quand la politique se mêle au sport, ça a eu des résultats surprenants. Je fais juste un petit clin d'œil à notre président de l'association avec l'euro, ce qui s'est passé. On a appelé à boycotter, finalement les chefs d'État sont venus à Kiev. Donc, vu de l'extérieur, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Donc, un message à Londres, et je peux savoir que le pour la participation de la Suisse à Sochi a déjà été voté par le Parlement. Et par rapport à l'image de la Suisse, est-ce qu'il existe quand même une réflexion sur l'image de la Suisse à promouvoir, y compris par les sports? Pour les sports d'hiver, ça sera plus facile que le Sochi. Et parce qu'on a juste l'impression que la présence suisse vit sur le budget très serré, Suisse Info est constamment menacée, et je termine ma question par une nouvelle qui nous a surpris, en regard, c'est que Suisse Info va lancer dans ces conditions un service en russe. Donc voilà, deux volets, le message par rapport aux Jeux Olympiques et au sport dans la politique, à l'inverse, et l'image de la Suisse, et comment vous pensez promouvoir la Suisse. Je pense en général que le sport est très important pour tout le globe mondial, parce que ça donne des liens entre les peuples des différents pays. Et pour moi, c'est important d'être à l'ouverture de l'Olympiade et de la Jeux des Paralympiques, parce que je veux traiter également les deux, les sports, les acteurs sains et les acteurs qui ont handicapés. Alors, je suis persuadée qu'on voit surtout chez les personnes qui sont handicapées comme important ce sont ces liens entre les personnes des différents pays, et que tous ces sports, comment on dit en français,
Gymnastique, on ne peut pas dire. Hein. Gymnastique. Sportif, sportif. C'est le sportif, les sportlers. Les sportifs. Les athlètes. Oui. Oui. Alors, on va surtout dans les Jeux paralympiques, comme les athlètes voient qu'il y a beaucoup des autres qui ont les mêmes problèmes qu'eux et ça lien les uns et les autres. Pour moi, c'est très important. C'est un peu comme avec la musique. La musique ne connaît pas de langage, la musique ne connaît pas des portes, des frontières. C'est important. Et pour la Suisse, c'est aussi important de se présenter comme un pays ouvert, un pays qui est, comme les autres, intéressé à la culture, au sport, à la vie donc, sur ce planète. Alors. Merci. Vous pensez que nous n'avons pas assez de moyens pour nous présenter à Londres? Alors vous parlez avec moi comme ministre des Finances. Je dois chercher si on a encore plus de l'argent. Vous savez qu'on est intéressé d'avoir les Olympiques d'hiver dans 2022. Hein. Et on prépare maintenant une candidature. Et on est très intéressé surtout dans mon canton d'origine. Et je veux dire avec ça que pour moi, le sport a une grande importance. Alors, les deux dernières questions. Jean Musy et Gordon Martin. Et Gordon, ce sera la dernière et on passe dans la salle à côté. Madame la Présidente, Jean Musy et Radio Zouz, vous avez pris des accords avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne et l'Autriche. Quels sont les autres pays maintenant que vous visez pour avoir des accords avec eux? Il y a un calendrier, s'il y a un certain nombre déjà d'engagements pris, des cibles. Deuxième partie de la question, est-ce que par rapport à la France, est-ce que vous avez le nouveau gouvernement reçu des contacts? Est-ce que vous avez des contacts à ce sujet? Est-ce que c'est vous qui avez contacté? Est-ce que vous avez contacté? Est-ce qu'il existe des discussions formelles ou informelles à ce sujet dans la perspective, disons, d'un après éventuel? Alors, la première question, on a déjà des contacts avec beaucoup des autres pays. Après maintenant les trois pays qu'on a déjà fait un accord, on a des discussions sur une base technique parce que c'est important de faire les points sur une base technique et puis on discute sur un level politique. Mais on a le cadre est le même comme avec les autres trois accords qu'on a. On a pardon? Vous avez la liste des pays déjà? On a une liste, mais on ne publie pas cette liste parce que je ne veux pas avoir tous les jours les questions, quelle est la situation avec lui, quels sont les prochains. Non, on discute avec plusieurs des pays et maintenant on a le feu vert de la commission, de l'UE, vous savez ça peut-être. Et c'est plus facile maintenant de discuter avec des autres pays parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont attendu les décisions du Conseil d'Europe. Et maintenant, on sait que c'est en ligne avec les obligations qu'on a envers de l'Europe. Alors, on peut continuer sur ce. Ces bases qu'on a maintenant fait avec les trois pays, mais on a encore un référendum, peut-être, vous savez ça, peut-être on a une votation au novembre et puis on veut commencer avec l'exécution des accords au janvier 2013, alors c'est très sportif, mais, mais je pense qu'on peut faire ça, qu'on peut arriver. Et en ce qui concerne la France, j'ai eu plusieurs contacts avec M. Baroin
le ministre des Finances jusqu'au 1er juin ou au midi de mai. Mais maintenant, j'ai contacté M. Hollande, le président Hollande, et je l'ai offert de continuer les discussions que j'ai commencées avec M. Barrois, même en ce qui concerne les accords les accords sur l'imposition à la source. Vous avez invité aussi M. Hollande à venir en Suisse? Je lui ai invité, oui. Mais je n'ai pas encore une réponse. Ça serait la prochaine question de vous, si je n'ai répondu pas déjà. Alors, et pour terminer notre conférence de presse, Gordon. Could I ask you the same question that I asked you when I last had the honour of meeting you some months ago in Geneva? And that is, are you satisfied with the image that Switzerland has in the outside world? The room today is full of people who are instrumental in shaping that image. Do you yourself feel that you get a fair deal with the foreign press, or you would give a certain So, I can't say that I'm very happy with the image we have at the moment. I think we have a lot to explain outside of Switzerland. Our image was better a few years ago, I think. That's because we have a big development on the world. We have new countries, they have other wishes, but I think it's also our development in Switzerland which makes us a little bit more difficult to have a good image. And so we have to work hard. I think, and I speak about our financial market, we have something down if you look it from today, that's not so correct as it could be, and we change now, and we are on this white money strategy. We want to have a good known market play, financial market, and a competitive financial market, a market who has a very good renommé, reputation, yes. And I think we are on a good way, but it takes still time to be there where we were a few years ago. But we do what we can, and I think if we have in direct contact with with other countries, we have still a good reputation. But if you read only a newspaper and you read something, for example, in the United States about the financial market in Switzerland, so it's not only good. And if you have to explain Ventilklausel, the clause of safeguard. That's in French, in safeguard. So you have to explain a lot to make it understandable for other people. I was in the Czech Republic. I spoke with the president of Poland, and first they couldn't understand what we did with this clause. But then when I explained why, what's the political meaning, they could understand it. So I think we have to explain, we have to
to show what we are doing, but we have still to show that we are an open country, that we want to sustain other countries, development countries. They are in difficult situations, and we do it every day. Merci. Madame la Présidente, je vous remercie infiniment du nom de tous mes collègues journalistes ici présents pour cette discussion très instructive et intéressante. Je vous remercie, mes collègues, de votre participation active et enthousiaste dans notre conférence de presse. Réveil FM International. La première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.